Salut tout le monde, bienvenue à cette vidéo qui va illustrer mon parcours à la Players Cup. Je vais les dévoiler dans l'objectif de faire... premièrement, il y a des gens qui voulaient voir mon parcours. Et je vais en profiter aussi pour, premièrement, réagir à mon match, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Puis en même temps, je pense que ça va... ça va amener quelque chose de vraiment intéressant dans le sens que en portant les corrections que j'aurais pu faire, je vais en profiter pour pas faire de l'éducation, mais essayer de vous en faire apprendre davantage sur le VGC, sur le ladder. Donc, mise en contexte, on a rentré à la Players Cup. Je me suis classé 63e en Amérique du Nord. Donc, on commençait notre premier match dans le fond. Contre le 194e seed. Et voilà l'équipe que j'ai utilisée pour la Players Cup. Le rental va être en bas. Je vous invite également à subscribe à mon channel. Ça prend 2 secondes, vous allez avoir accès à toutes mes vidéos rapidement. Ça va activer les notifications en plus de m'encourager. Donc voilà, on avait un core Incineroar, Mimikyu et Calyrex Ice. L'objectif est évidemment d'amener Calyrex dans une Trick Room et utiliser Shadow Sneak pour activer notre propre Weakness Policy. J'ai décidé, c'était une grosse décision de ma part, j'ai beaucoup hésité sur mon Incineroar. Pourquoi? J'aimais bien Flare Blitz pour l'output, Incineroar qui a une bien meilleure attaque que Special Attack, mais avec toutes les Intimidates qui run, Incineroar est quand même utilisé dans 60% des équipes actuellement dans la méta, là, en ladder, sur Pokémon Shield et Sword. Donc je me suis dit, ben je vais perdre du output avec Flare Blitz. Et je me suis dit, pourquoi pas y aller avec un Burning Jealousy? Qu'est-ce que ça fait, Burning Jealousy? C'est que, si exemple, je sais pas, Solgaleo utilise Max Steel Spike, c'est une attaque qui monte une stat, la défense dans ce cas-ci. Et Burning Jealousy, ça fait que si ce scénario-là se produit, ben le Pokémon va être burned. Donc ça va être très utile, surtout dans une méta qui est vraiment actuellement physique. Donc on a ce noyau-là. Calyrex, Incineroar et Mimikyu. Ta peau finie, c'est pour éviter des potentiels burns pour protéger Calyrex. Donc, mon Restricted, je l'ai vraiment bien entouré ici. Thunderous, pourquoi? Je voulais travailler mes adversaires dans le sens, je voulais les éviter, leur faire peur qui amène Incineroar ou Landorus ou peu importe le Pokémon qui a Intimidate. Je voulais que ça lui reste dans la tête. Puis Thunderous, c'est un bon Dynamax candidate aussi. J'ai mis Fall Play dessus. Pourquoi? Encore une fois, comme j'ai dit, c'est une méta vraiment physique. Fall Play qui s'est basé sur la puissance du move est basée sur l'attaque de l'ennemi. Et Urshifu. Urshifu qui vient dans le back, qui vient late sweep. On a un move prioritaire également, Close Combat qui touche. Beaucoup de Pokémon actuellement. Wicked Blow pour Dusclops, même s'il n'est plus vraiment là. Porygon aussi. Bref. J'ai pas besoin d'expliquer Urshifu plus que ça. Donc le premier match, on affronte un gars qui s'appelle Griffin. Et j'ai très peur. Premièrement, je suis très nerveux pour le premier match. On s'entend que... j'ai travaillé très fort à me classer pour la Players Cup. J'ai mis beaucoup de temps aussi pour vraiment être prêt. Et le premier match-up que je pogne dans le Winner's Bracket, la Players Cup, c'est un tournoi à double élimination. C'est-à-dire que si, exemple, tu perds un match, t'es pas mort tout de suite. Tu tombes dans le Loser Bracket, mais là, dans le Loser Bracket, tu ne peux plus perdre de partie. Donc, je prie pour un bon match-up pour le premier match et ce n'est pas le cas. Pourquoi? On a Umbreon qui est vraiment fatigant avec Baby Doll Eyes. On a un Taunt, Snort. C'est vraiment un bon Pokémon. Et Baby Doll's Eyes, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça baisse l'attaque et c'est prioritaire. Donc, que je sois dans un Trick Room, que je sois dans un... que j'aille le Speed Control, whatever. Baby Doll's Eyes est prioritaire. Donc, et je peux pas le flinch non plus avec son habileté Inner Focus. Aussi, parenthèse, vite, comme ça. Pourquoi j'ai le set de mon ennemi? Ce que j'utilise et tout, le tournoi de la Players Cup est open sheet, c'est-à-dire que j'ai accès à toutes les attaques de mon adversaire, même chose de son côté. Son restricted était Kyogre. Évidemment, ce qui rendait la tâche vraiment complexe, Kyogre me dérange pas en soi.
j'ai tonne de Russes, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'était vraiment le fait qu'il y ait Kartana dans l'équipe. Comme vous pouvez voir, j'ai pas vraiment une équipe riche en Fire Type. J'ai Incineroar et comme vous pouvez voir, j'ai juste 16 en spécial attaque en inverse dessus. Il y a un base stat de 80, fait que je tape pas vraiment fort. Son rôle, c'est pas d'être offensif. Sinon, en super effectif dessus, j'ai Super Power de Thundurus et Urshifu. Mais Kartana est vraiment bulky défensivement de nature. Fait que j'avais beaucoup de crainte face à Kartana, spécialement dans le rain. Dans le rain, ça affaiblissait le output d'Incineroar. Pardon. Donc, j'étais très nerveux d'affronter Kartana. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est important à savoir en VGC, c'est... Il n'y a aucune équipe parfaite en VGC, on a toute une weakness, et moi je sais que ma weakness était les Steel-type. Donc je craignais beaucoup Kartana, moral de l'histoire, je crains beaucoup Kartana, en sachant ça que je suis vraiment weak au Steel, ben ça te met dans un mindset que tu peux apprendre à pivoter ça, puis tu peux te pratiquer. Fait j'avais déjà gagné des matchs comme ça. Il y avait Jinx aussi avec Fake Out. J'étais pas vraiment stressé. Peut-être Lovely Kiss qui endort, mais ça me stressait pas vraiment. Et évidemment, un duo Kyog Tornadus pouvait me stresser pour faire du Water Spout Spam. Donc voilà. J'affronte Griffin. Super sympathique le gars pour le. On va parler tout le long. On va avancer la vidéo un petit peu. Mon mic, es-tu connecté? Le petit... Alright, on est connecté. Ok. Oh. C'est une technique. Donc ici, je crains vraiment... Je me rappelle un peu du combat. Je craignais vraiment... un lead avec Kyog et Tornadus, peut-être un Fake Out Pressure de Jinx. Fait que c'est pour ça que je suis allé avec Mimikyu. Mimikyu, c'est souvent mon lead dans cette équipe-là. Pourquoi? Ben, il peut pas être Fake Out. Je peux avoir du speed control tout de suite ou je peux burn quelqu'un immédiatement. Puis ça te permet de scatter, de slow play le match aussi. Tu sais, bon, mon objectif avec cette équipe-là, c'est vraiment de dynamaxer le plus tard possible. Le plus tard que je peux Dynamax, à moins d'avoir une bonne posture avec Calyrex, je vais maxer tout de suite. Donc, je vais avancer la vidéo vite. On va skipper. Contre notre copain Griffin, Inflatable Shark. Une équipe qui est cool. Il est Umbreon et Dragapult. Donc. Ma crainte ici est moins épée. Pourquoi? Parce qu'il peut pas faire Baby Doll's Eyes sur mon Thundurus. Donc on a un bon lit de notre côté. Je crois que je ne maxerai pas. Et Dragapult ne me ferait pas vraiment. Pourquoi? Il n'y a pas de spread move. Fait qu'il peut pas briser mon Disguise et ensuite peut-être me tuer avec genre Shadow Ball, mettons. Puis j'avais fait le call, j'avais calculé. Quand on joue, là, je fais tout le temps des calls. Et tous les joueurs de la Player's Cup sûrement faisaient des calls aussi. Donc, je craignais pas trop. Je craignais pas trop tout ça. Donc, vous rappelez de notre part de pas avoir essayé de le Will-O-Wisp. Il faut garder en tête pendant qu'on regarde le vidéo que il sait. Il a mes attaques. Il sait ce que je peux faire. Et là, on a été très chanceux avec le crit. Par contre, j'ai calculé, c'était un 2-hit KO. Donc, est-ce que ça a changé quelque chose dans le match? Je ne crois pas. On verra bien. Je me rappelle plus ou moins. Là. Donc, Trick Room, on est dans une bonne posture ici. Le output d'Umbreon ne me stresse pas vraiment parce qu'il peut pas snore. Il peut pas me baby Doll's Eyes, sinon il va activer mon Defiant. Fait que je suis en bonne posture ici. Je suis en moins 1. Est-ce grave? Pas vraiment.
Là, ici, le play, ça serait vraiment qui que mon adversaire... que mon adversaire tue Tundurus. Shadow Sneak. Il me semble que ça va pas le chercher. Ouais, effectivement. Là, ça aurait pu être un jeu qui me fait mal. Il me taunte. Donc, c'est son deuxième taunt. Excellent play de la part de mon adversaire, dans le sens que là, mon Mimikyu peut juste faire Shadow Sneak. Là où est l'erreur de mon adversaire, c'est la suivante. C'est que là, ça m'a donné un free switch. Ça me donne un free switch. Pokalyrex. Et je suis dans une excellente posture, même s'il va d'un Baby Doll's Eyes. Et pourquoi je dis qu'il est dans une mauvaise posture et je veux mettre l'emphase sur quelque chose ici. La moyenne des joueurs aurait été tentée de maxer ici. On s'entend, je suis dans une excellente posture en ce moment. J'ai un Umbreon qui est low HP. On se rappelle que l'habileté de Calyrex est Chilling Knee. À chaque kill, ça augmente mon attaque. Fait que j'aurais pu être tenté d'aller chercher des boosts tout de suite, soit en défense, soit en spécial défense avec Max Quake ou Max Steel Spike. On s'entend. Mais vous allez voir, j'ai été très patient. J'étais très patient ici, je ne maxerai pas tout de suite si ma mémoire est bonne. Donc voilà. On poursuit. Et j'active ma weakness pour laisser avec Shadow Sneak. C'est le seul jeu que je peux faire à part switcher. Vu que je suis taunt. Excusez-moi les amis, je vais vous mettre du son un peu pour vous autres. On va vous mettre du son un petit peu. Donc le Dragon Ball qui protège. Quand même un bon play de mon adversaire, il essaie d'écouler le Trick Room. Il sait ce qui s'en vient. Néanmoins, ça change pas vraiment quelque chose pour l'issue du match jusqu'à moment. En ce moment. Notre game plan va comme sur des roulettes. On commence la Player Scope en force. L'Umbreon est taunt, si ma mémoire est bonne. Donc c'est pour ça qu'il peut pas faire Fall Play ou Snarl ou ben whatever. Ou Baby Doll's Eyes, il peut pas. Ben, il peut pas faire Baby Doll's Eyes parce qu'il est taunt. En fait, Fall Play, ça n'a pas rapport. J'ai une grosse journée. La Periscope, c'est joué aujourd'hui. Fait que. Beaucoup d'efforts mentaux. Donc là, évidemment, l'erreur de mon adversaire, c'est qu'il n'y a vraiment pas une équipe de Trick Room. Et j'ai capitalisé là-dessus. Je l'ai vu dans le preview. Je me suis dit, OK, il n'y a vraiment pas une équipe de Trick Room. Ça risque d'être facile si je suis dans le Trick Room. Néanmoins, vous allez voir, me semble, si ma mémoire est bonne, le reste du match n'a pas été facile. Donc là, j'étais à plus 3. Mon Calyrex est à plus 3. Je me rappelle, j'hésite à Dynamax. Je Dynamaxerai pas, je crois, si ma mémoire est bonne. Ok, petite intervention. Vous me voyez quasiment à tous les tours, checker les tours de Trick Room, les taunts, etc. Ça a l'air niaiseux, un truc que je donne aux gens qui commencent, que moi je faisais pas beaucoup quand j'ai commencé, c'est justement checker les tours de Trick Room, les tours de Reflect, les tours de Light Screen, etc. Juste de checker à tous les tours, pareil, ça te reste dans la tête. Parce qu'exemple, que t'es 3-4 tours sans checker, c'est vraiment important de savoir toutes ces données-là, tout le temps avoir ça frais dans la tête. Fait que la majorité des tours, je check pour être sûr, je double check, je triple check. C'est toujours très important. À prendre son temps, on gagne du temps.
OK. J'ai pris la décision aussi de switcher pour Urshifu. Pourquoi? C'était pas la meilleure décision. Il me semble que c'était un misclick si ma mémoire était bonne. Je voulais pas faire ça. J'avais dit, OK, ça c'est un mauvais jeu. J'avais Mimikyu dans une position gagnante. Dans un Trick Room, j'avais un Will-O-Wisp à ma portée sur Kartana. C'est pas le meilleur jeu. Je me rappelle pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. Je me rappelle pas trop pourquoi j'avais fait ça. Et nous, on est dans une excellente posture. Ça dérange pas trop. Mon adversaire va marquer Kartana ici. Dans un Trick Room. Je le répète souvent, le speed control c'est très important. Mettons le rôle inverse, mettons... Mettez-moi dans une position que je n'ai pas le speed control, là je suis dans une très mauvaise posture si on inverse les rôles. Parce que Kartana est plus rapide, il peut faire Max Hill Stream, il peut faire Max Hill Spike, ça change vraiment la donne. Donc on va chercher Dragapult en augmentant notre défense pour prendre un hit de Kartana. Calyrex qui est très thick, surtout avec le boost en défense. Donc le stress tombe ici. Je commence à être moins nerveux, je me dis ok c'est pas trop pire, il envoie Kyogre. J'en vois qu'il y a. Ici, je suis très nerveux. Pourquoi? En fait, j'hésite beaucoup dans le sens que je crois que Kyogre va protect. Là, je calcule. Là, c'est très important. OK. Capsule numéro 4 du vidéo. La majorité des gens ont peur de cliquer des attaques qui c'est marqué not very effective, ok? Et je pense que je fais Max Quake dans ce cas-ci, mais même dans ce cas-là, calculer le fait un card, c'est super rapide à faire sur Showdown. Et peut-être qu'à plus 3, je tuais en ce moment. Et ça aurait été un move intelligent aussi dans le sens que. En attaquant Kyogre, ben, j'augmente encore ma défense pour Kartana, même s'il protège. Et Kartana a beaucoup de difficultés à me tuer dans le late game, surtout que j'ai mis Mimikyu avec un Disguise encore dans le back. Et j'y vais pour Max Quake. Je me suis rendu compte que ça ne tuait pas finalement. Un close combat pour du change. On tue Kyogre. Kyogre qui a un violent damage output. On tue son restricted. Bonne nouvelle pour nous. On se dirige vers une victoire lors du match numéro 1. Assez aisément. Maintenant, on a 3 Pokémon de notre côté. Et Calyrex est rendu à plus 5. Si ma mémoire est bonne. Fait que, il ne devrait pas vivre vraiment longtemps. Donc voilà, tous les matchs, c'est des matchs 2-3. Donc, là, évidemment, le plan de match a été de manière... c'est vraiment bien déroulé. Je m'attends à un changement de mon adversaire. Et je me dis, OK, comment il va s'adapter? C'est ça qu'il faut penser. Souvent, moi, je dirais qu'on garde le même lead. Et c'est à notre adversaire de s'ajuster puis de pivoter autour de ça. Donc voilà, premier match qui a super bien été... on va chercher un Sucker Punch juste pour du chip damage. Je le savais que il allait me tuer par la suite et qu'il était plus rapide. Kartana était plus rapide que mon Urshifu. C'est vrai que je me suis dit, je vais aller chercher du chunk. Du damage. Et mon Calyrex va tuer Kartana, évidemment, à plus 5. Donc, victoire dans le match numéro 1 pour moi et mon équipe. Donc, match numéro 2. Je veux closer ça tout de suite pour que ce soit le moins stressant possible. On s'entend? Bon.
Ici, je me rappelle que je craignais vraiment un lead Cartana, si ma mémoire est bonne. Je me suis dit, si il commence à prendre des Steel Spike tout de suite avec Cartana, ça va être très difficile pour moi de tuer avec Calyrex dans le late game. J'étais quand même très nerveux là, face à ce qu'il lead Cartana. Et je me suis dit, c'est sûr qu'il va pouvoir le leader. Incineroar était vraiment un match-up horrible pour ce match-là. Surtout avec Kyogre. On a Cartana aussi qui peut le frapper. Donc voilà, je craignais quand même d'amener Incineroar et je l'ai pas fait. Est-ce que ça va venir nous hanter? Là est la question. Mais je crains vraiment un lead de Cartana. Et il lead le lead que je m'attendais au match numéro 1, c'est-à-dire Kyogre et Tornadus. De notre côté, on y va, même game plan. On a Thundurus et Mimikyu. Pourquoi changer une formule gagnante? Ça répondait à la majorité de ses leads. Capsule numéro 5. Si vous avez une équipe qui a moins de chimie, si vous avez une équipe qui, exemple, il n'y a pas de combine, on va prendre un exemple, comme fait Moltres de Galar, mettons. Exemple, que vous n'avez pas de combine comme ça, puis moi, j'essaie tout le temps de prendre l'équipe pour répondre au maximum de lead. Le lead le plus neutre. Le lead que je vais être le moins d'emmarde si j'anticipe mal. Et dans ce cas-ci, c'était Mimikyu, parce que Mimikyu me donne accès au speed control, je peux taunt, je peux will-o-wisp, et Tornadus, un damage output. Il y a beaucoup de gens qui disent, exemple, on pourrait faire genre in the lead of clubs, tu sais, des leads vraiment passifs. Je suis pas un fan de ça, dans le sens que ça peut permettre à ton adversaire de te citer, ça peut permettre à ton adversaire de mieux se positionner après. C'est un support, un damage output comme lead, moi j'aime bien ça. Ou all offense. All offense, exemple, deux Pokémon qui attaquent super fort. Ou, mettons, Whimsicott avec un Tailwind qui permet à un autre Pokémon de taper le lead. Donc voilà. Ici, excellent ligne de notre part. Encore une fois, je dirais que pour de vrai en VGC en double, là, surtout en ladder, là on est dans un format de 3, mais c'est souvent le lead. 50% des matchs que la personne a le meilleur lead gagne le match, à mon avis. C'est très important en double d'avoir le lead. Comparativement au simple, que si tu te trompes, mettons, si t'as un mauvais lead, ben tu te 6 Pokémon après ça, tu peux te pivoter, tu peux switcher pour mieux te positionner. Donc, excellente position de notre part ici. Donc voilà. Là, ma crainte, c'est qu'il fasse Tailwind et qu'il attaque mon Thundurus. Néanmoins, il me semble que j'avais calqué et je vivais un hit avec mon Assault Vest. Et là, je me dis, si le Max Kyogre, ça pourrait être pénible. Donc, il me semble que j'attaquais Kyogre, c'est ça. J'attaquais Kyogre. Parce que c'était ma plus grosse menace en ce moment. Son Tornadus est Prankster avec Hurricane. Et il décide de maxer Tornadus. Donc là, je suis pris par surprise, évidemment. Mais erreur de mon adversaire ici. Erreur de mon adversaire, notamment parce que j'ai Trick Room dans sa face. Et ici, gros gamble. J'ai vraiment été chanceux. Pourquoi? Ben, chanceux, pourquoi? Kyogre peut outspeed Thundurus, si ma mémoire est bonne. Donc ça peut être extrêmement dangereux, un Water Spout et exemple un Max Stream. Mais heureusement, j'ai été plus rapide dans ce cas-ci. J'ai été très chanceux. Je pense que mon lead devrait. Je pense pas que mon adversaire pensait que j'allais re-lead ça. Donc il va faire un gros misplay ici aussi là. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce qui a passé par la tête, mais il a vraiment fait un mauvais play, mon adversaire là. Il va avec Water Spout. Il devait. Ben, un mauvais play. D'après moi, il pensait que son Kyogre était plus rapide que mon Thundurus. Je sais pas pourquoi. Surtout lui, il doit le savoir qu'il était pas max speed son Kyogre. Donc voilà, on va dans un Trick Room. Et là, le problème, c'est qu'il
En fait, un max sur stream. Fait que je suis... Là, malgré tout, je suis encore plus lent, donc je vais attaquer en premier. Donc, ça, Kyok Protect. Bon play. Bon play de sa part. Moi, mon Shadow Sneak ne tuera pas à cause du Protect. Mon Wild Charge qui va connecter beaucoup de damage. On va chercher 55%. Et là, j'espère qu'il attaque mon Thunderous. Est-ce que c'est ça qu'il fait? Non, c'est pas ça qu'il fait. Parce que... Des fois, comment je pourrais dire ça? Des fois... Mettons, moi, je me dis, OK, je veux qu'il tue lui, ça va me faire un free switch. Mais des fois, en ciblant l'autre Pokémon, tu donnes pas le free switch à ton adversaire. C'est un bon play. C'est un jeu qui se fait, puis qui, des fois, qui est très capital dans un match. Là. Comme l'exemple, si tu tuais mon Thunderous, OK, ça me donnait un free switch immédiatement sur Calyrex. Après ça, j'aurais pu faire Shadow Sneak, j'aurais pu faire Glacier Lens et j'aurais tué les deux. Et là, j'aurais été dans une position monstrueuse. Pourquoi? Ben, j'aurais été à plus 4 dans un Trick Room pendant 4 tours, tandis que là, il brûle un autre tour de Trick Room. En plus que Mimikyu ne vivra pas pour setter un deuxième Trick Room. Donc, Emax Guard, c'est correct. Ça me dérange pas vraiment. Mais encore une fois, là, je brûle les tours de Tritoum. Malheureusement, mais écoute, je brûle son Dynamax, fait que je suis pas fâché, c'est correct. Il y a même Umbreon. Encore une fois, Umbreon, il est pas dans un match-up incroyable avec mon Thunderous en lead. On a vu à quel point comment ça faisait du damage sur un Super Power au match numéro 1. C'était un crit, mais tu sais, on va chercher quand même jusqu'à la moitié là. Donc je décide de taunt le Umbreon et de finir le Tornadus. Pourquoi? Parce qu'il y a un taunt prioritaire, je crois. C'est tout simplement pour ça que je le tue. Et je sais que j'ai Urshifu dans le back, si ma mémoire est bonne. Donc Umbreon me stresse pas tant. C'est tout simplement pour ça que je cible Tornadus. Il est plus rapide que moi. Fait un fall play, ça va me chercher, c'est vrai. Mais, comme je disais, je voulais que Thunderous meure. Donc là, je taunt. Hurricane. Je vais mourir aussi. Est-ce grave? Non. Pourquoi? Tout simplement parce que là, j'ai écoulé son Dynamax. Il est dans une position très précaire. J'ai Speed Control encore pour 2-3 tours, si ma mémoire est bonne. Et j'ai deux Pokémon low HP. Fait que j'ai un boost qui est pas loin. Le problème, je crois, my biggest concern was, je craignais beaucoup que Umbreon vive et qu'il fasse un fall play. Fall play m'aurait fait extrêmement mal. Donc je protège. Ok, c'est ça que je fais. Ok, ouais. Et comme vous voyez, je me presse pas de Dynamax encore. J'attends. Je tire la souche jusqu'au maximum. Pourquoi j'attends son Kartana en arrière? Je me doute qu'il y a Kartana en arrière. Donc je me dis, je vais maxer plus tard. Je vais avoir 3 tours full HP pour Kartana. Double HP, pas full HP. Double HP. Il fait un fall play. Comme je m'attendais. Et là, mon Close Combat va y chunker beaucoup de damage. Et pourquoi j'ai fait ça? J'étais un tour à l'avance dans ma tête. Je sais qu'il est taunt. Fait qu'il soit qu'il switch. Soit qu'il switch ou bien il mange le Sucker Punch que je vais lui donner. Je pense que j'ai fait Sucker Punch. Quoique là, mon Glacier Lens, il va avoir un plus 2. Ah, Trick Room est fini. Ok. Fait que ce que je faisais déjà, je pense que je fais un Glacier Lens. Ouais. Je pense que le play ici, ce serait Sucker Punch Glacier Lens. J'irais chercher un plus 2 avec Chilling Knee. J'hésite. Ouais. Parce que Tornadus va mourir de Glacier Lens, évidemment.
Et je crains pas le damage output de ton Asus pour de vrai. Et en plus, il y a Hurricane. Fait qu'il y a beaucoup de chances de miss. Surtout qu'il est pas dans le rain. Donc, je vois Sucker Punch, sachant que Umbreon est taunt. Il a pas le choix d'attaquer. Et logiquement, ça va chercher le KO. Effectivement. Donc, je vais aller me chercher un Glacier Lens. Avec Calyrex. Urshifu meurt, c'est pas vraiment grave. Il me reste encore mon Dynamax. Et je vais être à plus 1. Ça va être 1 contre 1, puis je vais être max. Je vais être maxé à plus 1. Donc, ça augure vraiment bien pour nous. Le plus 1 qui s'embarque. Et là, il y a une grosse pression qui se relâche. Parce que je me dis, ok, ouf, je vais sûrement gagner le match, peu importe qui amène. Puis, commencer un tournoi dans le loser bracket, c'est vraiment de la merde. Fait que je suis vraiment content d'avoir gagné un match. Et avec le niveau de compétition, je m'attendais peut-être même pas à gagner le match non plus. Donc, je suis très content. L'erreur de mon adversaire ici, c'est de ne pas avoir reconnu sa wincon. Qu'est-ce qu'une wincon? C'est une win condition, c'est une condition de victoire que tu dois établir au début du match. Exemple, je sais pas, dans ce match-ci, ma wincon, c'était vraiment le Trick Room. Ça peut être une attaque, ça peut être un Pokémon. Moi, exemple, avoir eu l'équipe de mon adversaire, j'aurais tout fait pour mieux positionner Kartana, ce qu'il n'a pas fait. Il l'a mis dans le bac. T'sais, admettons qu'il avait lead Kartana, il va chercher des boosts de défense, il va chercher des boosts de Beast Boost, son habileté. Ben, peut-être que mon Calyrex ne fait pas long feu. Ou qu'il va mieux, il prend mieux des hits de mon Calyrex. Il fait Leaf Blade, il veut pas activer ma Weakness Policy. Mais c'est trop peu, trop tard. Je pense que Hellstorm va aller chercher le KO. Et voilà. Donc c'est ça, une win condition c'est une condition de victoire que tu dois établir au début du match et que tu dois essayer de préserver le plus possible. C'est très important. Donc voilà, on commence la Player's Cup en feu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Mes prochains matchs vont être publiés très bientôt. Donc je vous invite à subscribe pour poursuivre le visionnement de mon parcours en Player's Cup. Sur ce, merci à vous tous pour le visionnement et on se dit à la prochaine. Ciao, guys!